Salut à tous et à toutes, c'est Blaine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo info manga. Cette vidéo info manga sera consacrée à du Hiro Mashima spécialement. Tu vas comprendre pourquoi. Ah oui, l'information que je vais vous dire, voilà, c'est a été annoncée il y a de ça quelques jours. Voilà, Hiro Mashima annonce, il me semble que c'est sur son compte Twitter. Il a annoncé un crossover à partir d'octobre entre Rêve Master, Fairy Tail et Eden Zero. Oui, il a annoncé ça, un crossover, non pas sur un chapitre, mais ça devrait être une mini-série sur peut-être plusieurs tomes, peut-être 4-5 tomes, qui sait. Honnêtement, je pense que ça va être intéressant, voilà. Franchement, je m'attends à ce que ce soit vraiment très cool, surtout avec les dessins actuels de Hiro Mashima. Voilà. Alors moi je n'ai pas lu Rêve Master, hein. J'ai lu Fairy Tail et je suis en train de lire Eden Zero, mais j'ai pas lu Rêve Master. Mais bon, je suis quand même hypé parce que je pense que je lirai quand même si je connais pas grand chose à Rêve Master, les premières œuvres de Hiro Mashima. Mais en tout cas, c'est une information qui est très cool et il me semble que le nom de ce manga, de cette mini-série, c'est Hero, si je raconte pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est Hero. Alors, vraiment, je m'attends à ce que ce soit du lourd. Et franchement, Mashima, c'est le mec qui bosse, mais un truc de dingue. Alors, Mashima, dites-vous qu'il travaille sur Fairy Tail, la quête de 100 ans, au scénario. Il travaille sur Eden Zero. Là, il y a un jeu qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Plus, il travaille également avec l'animé sur le passé d'Acnologia. Pareil, ça a été annoncé il y a de ça un petit moment déjà, que l'animé, que les derniers épisodes de l'animé, ça va être consacré sur le passé d'Acnologia. Et le jeu Fairy Tail, donc le RPG, qui a été également annoncé il y a de ça quelques jours aussi. Le mec, il bosse un truc de dingue. Dites-vous que Hiro Mashima, c'est... Alors moi, de ce que je vois, c'est peut-être un des mangaka qui bosse le plus. Hein. Mais là, en tout cas, de ce que je vois qu'il est en train de faire, il bosse énormément. Et en plus, il trouve le temps de jouer à des jeux vidéo à côté. C'est un monstre. Honnêtement, Mashima, c'est un monstre du travail. Vraiment. Et même si j'ai peur que... Certes, apparemment, il dit qu'il n'y a pas de problème de santé, mais faut quand même qu'il fasse attention à sa santé. Parce que là, vu comment il bosse dur, Mashima, il bosse vraiment très, très dur. J'ai peur que par la suite, en fait, il ait des problèmes de santé. Donc pour l'instant, tant mieux s'il va bien, mais faudrait pas qu'il fasse un autre truc en plus, quoi. Faudrait pas qu'il fasse 2-3 trucs en plus à côté, parce que je suis pas sûr que sa santé tiendra, quoi. Mais enfin bon. En tout cas, le crossover, je m'attends... je m'attends pas à ce que ce soit le truc du siècle. Je m'attends à quelque chose... Peut-être si c'est sur plusieurs tomes. Ce qui serait bien, c'est sur 3 arcs. Par exemple, un arc où... Ou par exemple ça se passe dans le monde de Fairy Tail, enfin sur Terre, sur la Terre où se trouve Fairy Tail, un arc où ça se trouve où il y a Eden Zero, dans le monde d'Eden Zero, et un arc dans le monde de Rêve Master. Et peut-être un arc regroupant, un arc final regroupant les trois. Bon, je m'emballe un peu vite, mais en tout cas, je pense que je lirai parce que ça m'a l'air ma foi très intéressant. Est-ce que je ferai une vidéo quand tu auras les scans, quand les scans sortiront? Je ne pense pas. Peut-être que j'en parlerai sur mon Twitter. Oui, peut-être que j'en parlerai sur mon Twitter, qui sait. En tout cas, pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ça. Voilà, je m'attends à... C'est une surprise, en tout cas. Et après, honnêtement, ça reste comme rapide, parce que Eden Zero, ça a commencé il y a un an, un peu plus d'un an. C'est déjà un crossover, mais c'est cool quand même, c'est cool quand même. Je vais pas me plaindre, mais après je trouve un peu, en plus que c'est un peu rapide, mais je vais pas m'emballer plus que ça. Je vais attendre de voir ce que ça donne, même si je pense vraiment que ça risque d'être du lourd. En tout cas, Mashima fait vraiment du très très bon boulot et il travaille tellement dur. Moi en tout cas, je trouve vraiment qu'il est impressionnant. Voilà les gens, c'est tout pour cette courte vidéo. Si cette vidéo t'a plu, un petit like, un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette information, de ce crossover. Est-ce que tu attends à ce que ce soit du lourd? Dis-moi tout dans l'espace commentaire. Dis-moi aussi ce que tu penses des derniers épisodes de Fairy Tail. Ce que tu penses de l'information du jeu du jeu RPG. Est-ce que ça te tente? Est-ce que ça te tente pas? Dis-moi tout ça dans l'espace commentaire. Quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jana.